Ah, j'ai récupéré une âme. Enfin, pas une âme, mais... Du coup, maintenant que j'ai la grande braise, donc je peux me faire un truc en plus 5. Et on peut aller voir... Lag. Je dirais Quillag pour les âmes. Commencer par se mettre les armes en plus 6. On regardera là-bas. On regardera chez le forgeron un peu ce qu'il y a de mieux à monter. Parce que sur le papier, c'est le club, mais si la hache elle est pas loin derrière, je vais peut-être monter la hache quand même. Vraiment pour le moveset. Moveset de la hache qui est bien nul, mais par rapport au moveset du club, quoi. D'ailleurs ça sert à rien, j'aurais pas dû prendre ça en fait. Ça fait moins mais putain... On vous montrera les gourdins après. Killag, elle est pas très dure de toute façon. Ils ok. Ok, c'est bon. De toute façon, Killag, avant de la tuer, on va quand même récupérer de quoi augmenter nos gourdins à plus 12 000. Je reprends ce feu-là au cas où ça se passe mal. Ah merde. J'ai avancé à le remonter tout à l'heure. J'ai pas pensé à le remonter. Là, je vais le remonter au cas où. Y a pas trop. Ouais, si, j'allais dire, y a pas trop de risques. Quoique la descente vers Killag, elle est tranquille normalement. Enfin, elle est tranquille. Yo Shani, comment ça va? C'est un bon dimanche. Bon, eux ils sont hyper cool pour une fois. Je sais plus faire le skip hein, donc je crois que c'est ici et qu'on se laisse tomber. Vous savez quoi? On va descendre normalement. Y'a quoi là-dedans? Une mimique! Et des ruines de la nouvelle onde. Bah, parfait!
Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donnez-moi le voilà, la tarte au caca. Merci beaucoup. Non, mais tu m'étonnes que t'aies plus envie de retourner travailler, mais il faut pas travailler tout le temps non plus. Il y a des fois faut. Tu mourir. Il y a des fois faut rester tranquille. Non mais je sais pas, t'as l'air d'être tout le temps pris en ce moment, ça doit être vraiment fatigant. Et moi ça va, ça va, ça va, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, enfin plutôt je me suis réveillé tard. Mais ça va, j'ai pu faire un petit peu des trucs et après on s'est dit, tiens, si on essayait de faire ce jeu au niveau 1. Donc le cannibale Muldred, c'est normal, c'est prévu. Ah oui. Moustique pire que Muldred, hein, 100%. Ah putain de sa mère, parce que j'étais en train de courir. Comment on fait pour jouer à Dark Souls, c'est-à-dire? Ça me fait trop chier d'être mort. Il faut que je me retape tout ce putain de chemin de ces morts. Et en plus, je suis mort à cause de ces putains de moustiques de merde. Hein. Muldred, il est facile, c'est les moustiques à la con. Je vole, là je suis tellement pas sur la plateforme. C'est bon. Ah oui, j'ai perdu mes âmes, c'est pas grave. On va tuer les moustiques là. Non, on va prendre le feu en fait. En fait, soyons pas cons, prenons le feu. Ensuite on quitte. Ensuite, on fait le glitch. Pas le choix de le refaire, mais c'est pas grave. Parce qu'après, on va vouloir monter les sorcières du chaos. Plus que 10, si possible. Ah, du coup, redevenir humain. Mince. Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe est folle. On enlève ça. On va attendre que les moustiques viennent, c'est un peu chiant, mais. J'ai pas trop envie d'être empoisonné non plus. Spawn à l'infini, c'est moustique de mort, hein, c'est ça? Je crois que c'est ça en fait. Attendons le paladin, du coup qui résiste méga bien au feu. Mais qui résiste moyennement au backstab. Je peux
pas où sont les moustiques. Après les paris, elle aime pas trop non plus. C'est un peu couillon quand même d'être mort là-dessus la première fois, mais c'est ok. Je crois qu'on récupère des humanités. Humanité et sa machette, j'imagine. Ouais, c'est noir. Ok. Ça aurait été bien de retourner limite à l'asile pour. Pour comment dire, pour récupérer des. L'anneau qui permet de marcher dans le sol. De ne pas être embêté par les trucs de marée là. Mais bon. C'est quand même horrible ces trucs, hein. En termes de design. Bon, on va arrêter avec le feu, c'est un peu de la merde. Et là, on est là pour un petit moment parce qu'il faut que je farme des trucs. Donc ça va être un peu chiant. Oui. En titanite. Ok, une. Titanite verte, 5. Je sais pas combien il m'en faut des titanites vertes, mais il m'en faut pas tant que ça. Par contre, les grandes titanites, il en faut genre quinzaine à peu près, je dirais. Niquez-vous, niquez-vous tous. Ok. Est-ce qu'il en reste d'autres des cons là comme ça? Je crois qu'il y en a. Oh, il y en a encore plein, il y en a encore plein. Par contre, je dors plus que dalle. Hein. Genre, j'en ai eu deux qui m'ont filé un truc. Ça, deux qui m'ont filé un truc. Celui-là, on s'en fout. Et je vais aller prendre le feu de l'arbre. Je pense que c'est le mieux pour farmer ici. En vrai, je sais pas. Je pense que si, quand même. Mais non, mais meurs. Y a pas de mec ici. Je sais qu'il y a des mecs ici dans un des remakes. Ou je sais pas quoi, mais là y a ça. Y a pas ça.
ça, il est où le mur? Normalement, il y a un feu juste là. Ah, le feu, il est après l'échelle. Ouais, c'est un peu chiant. C'est vrai qu'on a 400 âmes des fois quand on passe ici. On récupère 10 astuces et on est reparti. Putain, mais comment il a fait pour se faire maudire ici lui? Oui, quand c'est un hit, cool. C'était sûr que j'allais finir par mourir. La raison pour laquelle est-ce que je me demande ça, c'est que ça augmente le drop. Hein. Oui. Bon, c'est pas grave, hein, les titanites vertes, j'en ai pas besoin maintenant, mais j'en aurai besoin plus tard. Okay. Bon, ça, c'est en partant du principe que je récupère celle qui me manque assez vite. Oui. Oh oui. Oui. Grande titanite. Encore, mais j'en ai eu 5 d'un coup. 5 d'un coup. On retourne au feu du tunnel. On tue lui. On retourne au feu du tunnel et qui lag. Ok, HGR plus 10. Parfait. Grand dame, on s'en fout complètement de tout ça. Et on est parti donc pour affronter Killag. Et devenir OP par la même occasion. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur, mais c'est ok. Déménageur breton là. On va pas invoquer Mildred. Killak, je suis assez confiant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai vraiment l'impression de voler des fois? Killak, je suis assez confiant. Mais bon. Mais non, de toute façon, j'ai... On a beaucoup de soins. Saute là. Ah putain, pourquoi j'ai roulé? Je pensais que j'étais assez loin et que je pouvais rouler tranquille. Ça va me picher dessus. Hein? Il y avait bien des grandes titanites à traîner là-dedans aussi. Bon, déjà deux fois le start ou assaut, c'est pas cool, mais... Lol. Reste proche. On se met dans sa tête là. Elle va pas me faire une seule à eux. Et là, c'est bien couché. C'est la merde. J'aurais dû me protéger plutôt que de vouloir fuir, je pense.
Oui, elle revomit et c'est gagné. Ok. Je viens de l'utiliser à cause de la cinématique. C'est pas grave. Je pense que j'ai assez d'âmes. Et on va pouvoir aller tuer Sizzles. Donc, he's ok. C'est là, non? Alors, lui, je crois qu'il faut vraiment faire gaffe à répondre oui, sinon c'est la merde. Je peux renforcer ma fiole d'astuce. Parce que j'aurai une autre truc bientôt. Et j'ai pas besoin de la renforcer plus par contre. Et donc j'ai 57 âmes. Ah putain, en plus c'est sur non au début. Là on est parti pour le faire jusqu'à ce qu'il m'en reste plus que 27, du coup 26 pour être sûr. Comment dire, de ce... Ça devrait mettre serment machin augmenté. Tempête du chaos. Ok, c'est bon. Ah, c'est double à chaque fois le prix. Non, ça double pas. Ça augmente beaucoup, mais ça double pas complètement. Je sais pas ce qu'il a à vendre. Ça, on s'en fout. Ok, ok, ok. Bon. Du coup, je manque d'argent. Salement. Ah, il a porté de la porte. Tout ça parce que j'ai perdu cette foutue âme. Bon, après, c'est pas grave. Je peux toujours augmenter à l'iche-feu une fois que j'aurai le battu le golem de ferraille. Que ça veut dire retraverser deux fois là. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite de se dire traverser deux fois la forteresse de Seine. Je crois que j'aurais pu passer direct là. Hein. Ouais. Direct là, tac. On va se le faire, Sisless, on va se le faire classique. Classique chute dans les escaliers. Tranquillement aller récupérer. On va aller profaner la tombe et, de sa sœur, il va se suicider pour nous. Enfin, pas vraiment se suicider, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas vraiment se suicider, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? Je comprends pas trop pourquoi c'est, comment ils sont faits ces piliers là, c'est vraiment bizarre. Il est là, tranquille, tac, hop. Pas trop ce que c'est, hein. C'est, il est fondu, mais c'est bizarre d'avoir tous ces bras là dessus. Peut-être un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être qu'il en a 8 aussi. Peut-être que lui, il est à moitié transformé en araignée aussi, comme les autres. Enfin, comme les autres. Ah oui, il fait pchit là. Faut attendre un peu plus, oui, c'est ça, oui. Donc il vient pas. On est d'accord, il vient pas.
c'est impossible. Je sais pas ce qui... je sais même pas ce qui m'a tué là. Cassons-nous d'ici. Ah oui, c'est vrai, je l'ai plus, je l'ai donné, l'âme de gardienne du feu. Très bien, très bien. On remonte par où? Pas par là. Pas grave, puisqu'en remontant, je vais pouvoir en choper une autre âme de gardienne. Je pourrais prendre Power Within. Je sais pas si ça vaut le coup d'aller le chercher. De toute façon, je peux pas remonter complètement par l'autre côté, donc je vais juste aller chercher l'âme de gardienne, peut-être Power Within, pause du retour, truc comme ça. Et je me casse d'ici. Bien entendu, je reprends la sauvegarde là. Si elle est là déjà là. Bon, prenons la sauvegarde. Maintenant, je vais peut-être aller voir quand même s'il n'y a pas la. Je sais pas vraiment où elle est en fait, en plus, cette fille là. Tu sais qu'elle squatte quelque part par là. Je sais pas, quand même pas pourquoi est-ce que je me fais chier à remonter ça, mais... Et ça va être fun, ça va être fun. On va juste chercher l'âme de gardienne, et après on se casse. On fait pas tout. Je suis mort, je suis tellement mort. C'est par là qu'on remonte encore? Par contre, toxique plus poison, c'est vraiment la grosse baise. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord.
Cassons-nous. Ça m'a saoulé. C'est pas. Parce qu'on a une bonne vue, hein. Elle est pas là. On va dire ce qu'on veut de Blighttown, en fait, parce qu'ils ont une de Blighttown, ils ont une technique d'ascenseur qui fonctionne au moins. Vraiment à tous les autres ascenseurs de ces morts, il faut attendre tout le temps là. Je suis assez surpris d'avoir aussi peu de baisse de FPS par contre en Blighttown. Agréablement surpris, mais un peu surpris quand même. Ah mais non, mais je suis con en plus, c'est par là qu'elle est l'âme de gardienne du feu. Non mais sérieusement. C'est pas grave. J'en ai tué un. J'en ai tué qu'un, je crois. Oui, il y en a un autre. Tellement remords. Mais jette là ta putain de boule de feu. Enfin. Encore une touffe, hein. Ouais, là, les deux sont morts. Ok. Tant pis pour mes âmes. Hein. Je vais me soigner. Ah ouais. Non, c'est pas par là du tout. Genre pas du tout, du tout même. J'oublie toujours qu'il y a un cadavre ici. En dame, c'est toujours bien. Et on fait attention à pas crever comme un con ici. Ok. Ça vaut le coup de les utiliser, ces âmes là, je sais pas. Mais bon, je suis dans un ascenseur alors
C'est dommage qu'on puisse pas les dupliquer celle-là. Parce qu'elle vale un peu quand même. Enfin, disons que ça vaut plus en tout cas que genre le papillon. J'ai quoi comme autre truc? Ouais, c'est plus stylé. Allez, go comme ça. Je peux écouter ce qu'il dit. J'ai dit oui, il me dit nanana, je dis non, il me dit nanana. Oui? Donc ouais, elle est en plus 10, je peux pas la monter plus, mais bon. Ça va déjà être pas mal pour le moment. Acheter objet. Je vais tout acheter le reste. Où allez-vous comme ça? Où on veut? N'oublie pas de level up. Salut Tifa, merci pour le raid. Et bonjour à tous. Salut Ganon, salut tout le monde. On va. Là, on a déjà tué Cookie Lag. Pour ceux qui se demandent où on est, on a une hache niveau 10. Une hache plus 10. On a deux gourdins améliorés plus 5. On va pouvoir en faire un en plus 6. Je me suis un peu chié dessus parce que j'ai utilisé l'âme de Keylag à cause de la cinématique de l'activation des cloches comme un con. Donc j'ai pu la dupliquer qu'une fois. Donc je suis un peu en manque d'âme. Mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir en retournant dans le. Retourner à l'asile, récupérer les âmes et la tablette de titanite de Jean-Michel là. Et on va pouvoir tuer aussi les chevaliers noirs. Avec une nouvelle pyro, je pense qu'elle devrait faire l'affaire. Placer sort, j'ai deux sorts. J'ai deux boules de feu, mais autant avoir une orbe, ça doit faire plus de dégâts. Et c'est du Kersaïs. Renforcer armes, non, pas renforcer, modifier équipement, voilà. Gourdin, fait, renforcer le gourdin, j'ai pas assez d'âmes, c'est vraiment ça le monde dans lequel je vis. Mais ça a pas beaucoup de portée, hein. Est-ce qu'on peut le toucher? Un quart d'heure trop tôt. Oh! La petite queue. J'aurais dû me soigner. Il a pris les dégâts. Pourquoi est-ce qu'il me vise pas moi et qu'il vise là où je veux aller? Ah bah j'ai tout tué à la main. Bon, je m'en fous de la titanite démon, je l'ai tué pour les 2000 âmes. Je suis assez content de l'avoir tué du premier coup d'ailleurs aussi. Il n'y aura pas assez mais... Il y a le papillon que je peux tuer aussi hein, pour les âmes mais ça m'emmerde un peu. Et on va prendre, on va pouvoir aller faire le stray démon du coup et l'asile maintenant.
Ouais. J'hésite aussi à mettre ma hache en feu pour faire beaucoup plus de dégâts. Mais si je veux faire ça, je vais sans doute en chier parce que je connais pas bien la route dans le... dans le truc là. Le machin pour aller à Pinwheel quoi. Enfin, je sais à peu près où c'est, mais je suis mort, j'ai sauté beaucoup trop tôt. Les catacombes, voilà. Merci, Ganon. C'est pas là, c'est au-dessus, c'est au-dessus. J'ai déjà récupéré la clé. On va quand même au moins pouvoir récupérer l'anneau de truc là. J'ai pas acheté l'anneau du dragon aussi. Il va falloir que je l'achète pour améliorer mes sorts. On dirait vraiment un œuf, hein, vous trouvez pas? Honnêtement. 3 œufs. Impossible de faire la différence. Je sais même pas où je suis. Je suis au milieu ou je suis un peu décalé là? Un troll de neuf. Et là il y a deux œufs aussi, il y a deux œufs partout. Genre en fait ils ont pris le même nid on dirait presque. Et ils nous déposent dans le nid mais on réapparaît à côté. Il y a arnaque. Alors le gourdin je le prends parce que il doit être à peu près aussi fort que la... Il a un layout, enfin pas un layout, enfin... Mais sérieusement? Dupé comment ça? Sauf que comme j'ai fait le con, j'ai voulu... C'est direct là. C'est bon. J'ai voulu dupliquer la lame de Killag. Sauf que je l'ai fait juste après avoir appuyé sur la cloche. Et en fait, ça m'a niqué parce que quand la cloche est revenue, genre c'était pas le bon timing, enfin c'était le timing en fait pour utiliser l'astuce, sauf que en fait ça a pas marché. Et du coup, ça m'a utilisé l'âme de Killag. On va faire un truc, voyez-vous. Vraiment? Voilà, laissez-moi me reposer près du feu, merci. Next is golem. Là, j'ai... non, non, j'ai les gargouilles avant. Pour l'instant, j'ai fait démon de l'asile. Genre normal. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, oui, oui. Ensuite j'ai fait qui après le démon de l'asile? C'est qui après le démon de l'asile? Je sais même plus. Ah, je suis mort. Ouais, en lui mettant des coups de hache dans les jambes. J'ai pas utilisé le... J'ai pas invoqué le paladin Moldrid ou je sais pas quoi. C'est pas beaucoup de dégâts en vrai le feu. Non non, ça va pas être très long hein. Là il va prendre 800 dégâts d'un coup, bam.
Ça va être beaucoup moins long que... Je sais plus c'est quand la dernière fois où je l'avais fait en... Genre direct. Enfin, je l'avais fait en premier boss ou je sais plus quoi là. Bon, deuxième boss parce que je trouvais pas comment fallait faire. Et que j'avais fait avec genre une arme plus 1 nulle qui faisait pas de saignement. Ouais, on aurait eu l'épée cassée, on se serait amusé, ouais, je pense bien. Non, mais ça va, ça avance bien. Le principal problème, c'est vraiment le dégât du. Enfin, plus que le dégât même du gourdin, c'est plutôt le. Plutôt le moveset, parce que là en vrai les dégâts de l'arme on s'en fiche, c'est vraiment le. Allez, encore un saignement et c'est gagné. Ouais, mais je sais pas, il doit être résistant au feu. En tout cas, je sais que celui qui est en feu est faible au feu. Mais lui il l'est pas. Enfin, il l'est peut-être. Après la grande boule de feu du chaos, je pense que... Enfin, je suis pas sûr, mais comme ça, je me dis qu'elle fait peut-être plus de dégâts quand on a le... Le... Comment ça s'appelle? Quand on a des humanités. Voilà. Des boss relous du cul, hein, celle-là. Ouais, mais après, moi, j'ai aucune pitié, donc... J'ai confiance. Lui, je dose direct. Front stab, back stab, attaque sautée, c'est la merde. Damn. Si je sais que sur le papier, hein, il est mieux le gourdin. Il va arrêter de faire ça à un moment donné. Je suis mort. Non, j'étais pas mort, en fait. Faut ça aussi. Enfin, ça il le faut pour si je veux faire tous les boss, mais quand même. Voilà. S'il m'emmerde. Non, pas d'os, pas d'os. Cassage de gueule, hein. Cassage de gueule comme il faut. Je suis pas là pour utiliser des os. Je sais pas quoi là. Bon, je savais pas que l'orbe de feu avait passé outre le fait que le mec était caché derrière son bouclier. Mais je me sens pousser des ailes là maintenant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de tout tuer là-dedans? Enfin, tout tuer, non. Mais on va quand même aller tuer Oscar parce qu'il est sur le chemin de. Oh, impossible de ce côté. Ah bah, ça on rigole. Pourquoi je peux pas l'ouvrir de ce côté? On dirait tellement un fantôme. Là.
En plus, eux, ils ont des boucliers qui protègent du feu, hein. Hop, espadon de chevalier noir. Alors ça, je suis content de l'avoir hein, dans mon SL1. Ah, hop, on récupère les magies. Toc, toc. Je sais pas si ça va me servir, les titanites rouges. Aucune idée. En fait, je sais pas ce que ça fait, le rouge. Arme, renfort, arme plus 9. Non, mais ça c'est feu. Et ça c'est feu aussi. Et viens là. Et salut. Et ouais, je défonce Oscar. Et le dernier truc qui va manquer, c'est de récupérer l'anneau. Parce que je risque d'avoir besoin de farmer des trucs là dans les... Mais depuis quand elle remonte cette boule? Super. Oscar du meilleur combattant. Ouais, mais le pauvre Oscar... Il est allergique au feu, quoi. Je vais me faire tuer par des holos après avoir tué tous ces chevaliers noirs. Putain, mon arme elle est en plus 10. Et je one-shot même pas ces ennemis du début du jeu. Il y en a deux maintenant? Salut Brainstorm! Comment vas-tu? Voilà, un autre fer rouillé. Bon bah j'ai tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai tué les deux chevaliers noirs. Je crois pas qu'il y en a un quatrième, un troisième. Le seul truc qu'il y aurait à faire en plus, ce serait parler à Piu Piu l'oiseau là, mais bon, c'est balèque. Je sais pas ce qu'il faut lui filer en plus pour avoir les trucs bien. C'est pas la première fois que tu viens à... Si, si, c'est la première fois que je suis dans la salle. Hein. C'est la merde. Ah mais ils me suivent en plus ces cons là, mais oui. J'ai oublié. Détail. Ce détail du sol qui casse. Ok. Non, j'ai fait des trucs à la con comme ça, mais... Pas de SL1, sur aucun des trois d'ailleurs. Dark Souls 1, je pense clairement être capable de le faire. Dark Souls 2 aussi. Par contre, genre Dark Souls 3. C'était sûr. Voilà. Donc ouais, je connais pas les objets qu'il faut donner à Piu Piu là pour avoir les tablettes de titanite, enfin les... plutôt les chunks de titanite et les trucs comme ça, donc on va laisser ça de côté. Et on reviendra éventuellement si on a envie. Je sais pas du tout par où je redescends. Ouais, give me soft, give me machin. Mais je crois qu'il y a des trucs genre lui filer du lichen ou des machins comme ça.
Lui c'est bon. Enfin en tout cas c'est pas le plus urgent vu que j'ai pas de... oui. Ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Par contre, c'est lequel qui est bien? Améliore la sorcellerie. Améliore l'effet des sorts. Augmente la durée des effets de sort. Bah non, mais c'est celui-là, du coup, c'est hurlant qu'il me faut. Ah non, non, tu peux y aller autant que tu veux, Brainstorm. J'ai déjà fait le jeu, hein, par contre. Donc, he's ok. Tu peux. Enfin, là, j'ai une liste de qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment, hein. Ah mais non, mais je lui ai dit oui à lui. J'ai pas envie de lui dire oui. Du coup, il veut plus me vendre de trucs. C'est bon. Défi d'équipement. Oui, mais ça, je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Et combustion. Je pense que je vais prendre. Ça et ça, c'est de la merde, je crois. C'est les pierres douces et soyeuses, non? Bah dans le 2, il y a un truc avec ça, mais dans le 1, je sais pas. Par contre, est-ce que vous savez comment on fait pour avoir les... Comment ça s'appelle? Les... Il y a une pyromancienne normalement dans le marais, mais je sais pas à quel moment elle apparaît et comment on la fait apparaître. Je suis pas beau. Je sais pas si vous savez ça. Elle apparaît ici. Faut tuer Killak. Ouais, mais Killak, j'ai déjà tué et... Et j'ai pas du tout. Après Sizzless. Ah putain, c'est peut-être après Sizzless. Sauf que Sizzless, j'ai raté le cheese. Et du coup, je sais pas trop comment faire. J'aurais peut-être pu me soigner avant. Ah mais c'est bon, je peux encore me soigner avant. Bon, normalement, ça devrait être telle une balade dans le parc. Hein. L'autre elle veut faire du feu. Meurs. Hein? Easy. C'est dire qu'il y a des gens qui ont du mal. Alors que niveau 1 il est gratos. Un gant plus 10 ça doit être ça. Faut 10 de pyro. Non mais ça doit être ça ouais. De tout ce que vous me dites c'est ce qui me semble plus... C'est ce qui me semble plus plausible. Ouais. Bon, on fait quand même bien mal. Comme il faut. Hein. Du coup... Ah mais je vais retourner dans l'asile de ces morts. J'ai pas pensé. J'ai pas du tout pensé que j'avais pas le feu de l'Ichefeu mais que j'avais celui-là. Merci à tous pour avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux via les liens qui sont présents en description. Bien entendu, le plus important, passez une agréable journée. Ciao, bye.